If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel. Israel will be gone. It would have never happened. Vice President Harris, he says you hate Israel. That's absolutely not true. I have my entire career and life supported Israel and the Israeli people. He knows that. He's trying to, again, divide and distract from the reality, which is it is very well known that Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well known that he admires dictators, wants to be a dictator on day one, according to himself. Trump a dit si Kamala Harris devient présidente, l'Israël ne va pas exister d'ici 2 ans. Elle n'aime pas l'Israël et en même temps elle n'aime pas aussi le peuple arabe. Donc tout l'endroit sera explosé, le peuple juif et le peuple arabe. Et l'Israël ne va pas exister, l'Israël sera éliminé. Si c'est le cas, eh bien, d'après tout ce qui se passe actuellement, la guerre aux Palestine, d'où il y a plus de 47 000 civils innocents palestiniens qui sont morts et plus de 100 quelques mille blessés. Et en plus de ça, dans l'attaque récente au Liban, en Beyrouth, il y a déjà plus de 1 000 morts. Qui aime l'Israël ou bien le premier ministre Netanyahu d'après tout ce qu'il a commis? Parce que là, si on dit qu'il se défend, eh bien, on a l'impression qu'il se défend aveuglément. Ça, ce n'est pas se défendre. C'est comme s'il cible que les civils innocents, ou bien il cible que les musulmans, ou bien les palestiniens. C'est inacceptable. Et là, ce n'est pas seulement le peuple musulman qui déteste ce que l'Israël fait, mais il y a aussi les chrétiens, les catholiques, les juifs, etc. etc. Eux-mêmes, ils manifestent. On les voit ça sur les réseaux. Bref, si tout cela va s'arrêter une fois que Kamala Harris devienne présidente des États-Unis d'Amérique, j'espère, je crois bien que là, elle aura le soutien de la grande majorité de la population mondiale. Au cas contraire, ce n'est que de la politique. Et d'ailleurs, l'Iran a frappé l'Israël avec plus de 200 missiles balistiques parce que l'Israël en abuse. Là, il a touché les points sensibles de l'Iran. Nasrallah, que son âme repose en paix. Et après cette attaque iranienne, le premier ministre israélien avait dit que l'Iran a fait une grande erreur et il va le payer. Et par la suite, l'Iran a dit si seulement l'Israël ose répondre à cette attaque, il y aura une riposte musclée immédiate et que cette attaque n'est qu'une partie de son power. C'est-à-dire les 200 missiles envoyés n'est qu'une petite partie de sa puissance. Et là, depuis le mardi, l'Israël n'a pas encore répondu, mais l'Israël ne cesse de bomber, d'attaquer le Liban. Parce que récemment, j'ai vu il y avait une ou deux attaques au Liban. Donc après avoir Nasrallah, maintenant, l'Israël cherche encore à le remplaçant de Nasrallah, d'après les news. C'est incroyable ce qui se passe. Parfois, il ne faut même pas entrer dans ce débat-là. Mais c'est désolant. C'est vraiment un acte impitoyable. Mais après tout, on est des humains. Voir des êtres humains, des civils innocents de cette manière, c'est touchant, ça choque. Que Dieu fait descendre la paix et protège ce peuple. Inch'Allah. Parce que ça donne l'impression de l'arrivée de la Troisième Guerre mondiale. Mais je ne vais pas en dire plus. C'est mon opinion que j'ai partagée, et bien partagez le vôtre aussi, et que Dieu vous protège.